prise interceptée par Massé. Rondelle qui demeure dans le territoire des Saguenayens. Julien Bellan sur la rampe. Morin vient à sa rencontre. Bellan tente de s'en défaire. Belle passe. Agostino est capable de tirer. Boulans rapidement est venu couper l'angle. La remise d'Agostino à Bellan. Le tir de but! Le tir de Bellan surprend le gardien de La Fontaine. Et les Remparts réduisent la marque à 3-2. Bel échange entre les vétérans Agostino et Bellan. On a réussi à se créer une bonne chance de marquer. Agostino a repéré Julien Bellan qui dégaine rapidement pour battre le gardien de La Fontaine avec 10. Agostino en entrée de territoire perd la rondelle. C'est récupéré par Boulans. Sur la rampe à des ruisseaux. Évite une mise en échec. Uzereau reprend la passe devant. Vermette le tir. Bel arrêt de Filion au retour. Jérémy de La Fontaine. Pour les Remparts, Plouf, Villeneuve et Messier. Avec au point d'appui Austin et Stewart. Brady Austin joue son deuxième. Rondelle perd le disque et voilà Bellan qui s'empare de la rondelle et s'amène en zone ennemie pour les Remparts à Agostino. Agostino le long de la ligne bleue. Passe dans le coin, c'est trop long. Derrière le filet, Morin et Bellan. Bellan réussit à reprendre. La remise devant le tir au bel arrêt de La Fontaine aux dépens de Cloutier. À bout de bras, le gardien des Saguenay réussit à capter le disque et stopper l'action. Superbe jeu de Julien Bellan derrière le filet pour ramener le disque devant le but. Et le tir de Cloutier a été stoppé juste à temps par 4 contre 4 maintenant. 4 attaquants pour les Remparts. Agostino à Bellan, tir frappé. C'est bloqué par Prudhomme, ça lui a fait mal. Bellan récupère, garde contrôle. Le tir, arrête de La Fontaine, il n'y aura pas de retour. Prudhomme tente de chasser la douleur, retraite au bord des siens. 35 secondes à la punition de Tomov. 1-22 à celle de Uzereau. 0 en 3, les disques. Agostino tente de reprendre, c'est Armstrong qui le fait pour les Saguenayens. Dans le territoire des Remparts, perd la rondelle, mais reprend. Armstrong s'avance, le tir. Arrête Filion, rondelle libre, retour et le but. Craig Armstrong pousse son retour de lancer derrière le gardien Filion. Et les Saguenayens reprennent les devants par deux. C'est 4-2 la marque. Craig Armstrong du revers récupère son propre retour. Alex Wong quitte sa zone sur l'aile droite, sur l'aile gauche, pardon. Ça mène dans le territoire des Remparts. Belle montée. Wong couvre au filet, le tir. Arrête Filion, rondelle libre. Filion fait l'arrêt au retour. L'officier en défensive récupère pour les Sacs derrière le filet. Emmanuel Vermette quitte sa zone en contrôle. La passe sur la droite à Alexis Morin. Dans le territoire des Remparts, coupe dans le centre de la glace. Le tir et le but! Un long tir de Morin qui surprend Vincent Filion. C'est 5-2 les Saguenayens. Alexis Morin marque ainsi son 21e de l'année. Un long tir des poignets à l'entrée du territoire. Et il a surpris le gardien Filion. Ça venait de la gauche de la langue. Ça mène au centre maintenant. 5 contre 4, Chicoutimi côté droit de la glace, coupe dans le centre. La patinoire, la passe sur sa gauche à Vermette. Emmanuel Vermette dribble avec la rondelle. La passe devant, le tir de Leroux et le but. Superbe jeu de Vermette. En avantage numérique, les Saguenayens portent la marque 6-2. 1-2 en avantage numérique, Chicoutimi. Quelle passe d'Emmanuel Vermette sur cette séquence. Et Jérémy Leroux a dégainé rapidement pour battre le gardien. Filion à sa droite. Un tir sur Leroux. Rapidement relance l'attaque, mise en échec par Villeneuve en entrée de zone. Rondelle qui demeure dans le territoire des Remparts. Leroux s'en empare. S'avance devant le filet, la passe, le tir. Arrête Filion, disque libre, retour et le but. Vincent Filion est capable de récupérer le disque correctement. Jacob Lafontaine pousse le retour derrière le gardien des Remparts et c'est 7-2 la marque. Je pense que c'est Lafontaine qui sera crédité du filet. On va attendre la confirmation. Avec 7-0-7 à jouer en troisième, les Saguenayens en marquent un 3 sans défait. Très bon patineur, ça mène zone neutre, traverse la ligne rouge. Poursuit son chemin, perd la rondelle. Et voilà Rousseau-Hamel qui se sauve seul devant le gardien de La Fontaine. Rousseau-Hamel le tire. Arrête de La Fontaine au retour. S'arrête à la gauche du but, moins d'une minute à faire en troisième. Toujours 7-2 les Saguenayens. Rondelle, en fait, c'est passe avec la main. Quinn a touché au disque après que Yalasti ait poussé la rondelle avec la main. Un bel arrêt de La Fontaine devant Maverick Rousseau-Hamel sur la dernière séquence. 50.